Alors, est-ce que tu peux me décrire ton affiche? C'est un super-héros qui va sauver une ampoule. Alors, c'est quoi le slogan? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'affiche? Il y a marqué « Super-héros ou pas, on peut tous recycler les ampoules ». C'est important pour vous la notion de recyclage et de protéger la planète? Oui. Pourquoi? Parce que comme ça, on sait que ça fait du bien à tout Lyon et que comme ça, on rend beaucoup de gens heureux. Alors, pourquoi vous avez aimé faire cette affiche? Qu'est-ce qu'il y a comme autre geste qu'on peut faire pour faire du bien à la planète? Par exemple, fermer les ampoules. Fermer le robinet quand on se lave les dents ou recycler ses papiers en la mettant dans la poubelle verte. La planète vous dira merci si vous faites la même chose. Je suis Véronique Bourdon, j'ai une classe de CM1, 25 élèves, sur le boulevard de la Croix-Rousse. Alors en fait, on a créé des groupes dans la classe et chaque groupe devait réfléchir un petit peu sur la présentation d'affiches. Comme on a la chance d'avoir un tableau blanc interactif, on a pu faire différentes propositions d'affiches. Donc à partir des éléments qu'ils avaient déterminés, on a pu faire des assemblages différents. Tout au long de l'année, vous travaillez sur la notion de développement durable ou c'était spécifique à ce projet? Non, on va travailler toute l'année. En fait, on a démarré par ce projet. Ensuite, on va repartir sur le tri des déchets. On va visiter l'usine de recyclage de Veolia. Et puis ensuite, on va travailler sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous les sentez réceptifs, vos élèves, par rapport à ces problèmes d'environnement? Oui, tout à fait. Ils sont sensibilisés. On a même fait des enquêtes à la maison. Ils ont observé comment ils agissaient chez eux, les parents, etc. Donc oui, tout à fait. Tu as voté et pourquoi? J'ai voté pour l'illumination 5. Les arbres, ça me fait penser à la nature. C'est important pour toi le recyclage? Oui, pour moi c'est important parce que c'est protéger la planète. Quelle vidéo vous avez choisi? Quelle illumination vous a plu? C'était la sorcière avec les algues lumineuses. Pourquoi vous avez choisi celle-là? Parce que le vert, la nature, les algues, la mer, donc la nature. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour recycler? Quels sont les gestes éco-responsables que vous faites au quotidien? On trie le papier, le carton, les déchets, les déchets.